Avons-nous oublié que la protection de notre droit s'applique à tout citoyen français, et ce, où qu'il soit? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, il s'appelle Nassim. 11 ans aujourd'hui, à peine 5, lorsque son père a décidé de l'emmener lui et sa famille en Syrie, rejoindre les rangs de Daesh. Il s'apprêtait à faire sa rentrée en CP quand son père a préféré lui faire vivre une guerre qu'il n'avait pas choisie. Mais les bombardements s'accélèrent. Il faut fuir Daesh. Nassim, âgé de 7 ans, se voit imposer encore une nouvelle vie qu'il n'a pas demandée. Une vie dans un camp syrien. On y parque femmes et enfants de djihadistes venus de tous horizons, dont la France. Ces djihadistes qui voulaient rejoindre l'État islamique. Enfermés pour mettre à distance, éloignés, cachés l'existence de ces femmes et enfants français aux yeux de leur pays d'origine, ils sont dans l'attente de leur rapatriement. Faire comme s'ils n'existaient pas, comme si leur sort ne dépendait pas de nous, comme s'ils ne méritaient pas la protection de notre État de droit. Nassim est né en France, ses parents sont français, il est français. Nassim, petit garçon innocent, pourtant qualifié de bombe à retardement par son propre pays. Enfant d'une guerre qui n'est pas la sienne. 4 ans que cet enfant français grandit enfermé derrière des grilles, confiné dans une tente brûlante en été, glaciale en hiver, entre sa mère et ses frères et sœurs. Voilà son foyer. Sans chauffage, sans soins, sans nourriture en quantité suffisante, immergé dans un climat de tension, de peur, d'insécurité, entouré de l'odeur de la mort, enterré dans un cimetière à ciel ouvert. Oublier sa naissance, ne rien faire, faire comme s'il n'existait pas. 62 enfants sont décédés dans ce Guantanamo syrien en 2021. Parfois, on ignore même leur identité. Morts en raison de leurs conditions de détention, ces enfants succombent à leur état de santé pitoyable. Éruption cutanée, membres squelettiques, ventre ballonné, corps recouvert de poussière et de mouches d'arrêt aiguës. Infection banale ici, mais mortelle là-bas. Autant de traitements inhumains et dégradants que la France condamne si souvent. Article 16 du Code civil, article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Autant de textes qui disent la même chose. Autant de textes signés par un même pays. Autant de textes qu'on ne devrait pas constamment rappeler. Oublier sa naissance. Ne rien faire. Faire comme s'il n'existait pas. Nier les siens restés en France. L'empêcher de voir ses grands-parents. En début d'année 2019, les grands-parents de Nassim témoignent. Disposant de la permission de l'État français et du visa nécessaire, ils parcourent plus de 4000 kilomètres. Ils sont persuadés qu'ils peuvent enfin revoir Nassim et ses frères et sœurs. Ils arrivent aux portes de ce camp les bras chargés de vêtements, de nourriture et de cadeaux. Là, l'entrée leur est refusée, au motif que la France s'est dédite. Dans l'incompréhension la plus totale, ce grand-père et cette grand-mère se résignent à quitter les lieux. Lorsqu'ils aperçoivent la silhouette de Nassim derrière cet immense grillage. Une rencontre de quelques minutes, une minuscule parenthèse d'amour pour Nassim, avant que cette famille réunie ne se fasse chasser par les gardes. Encore une violation absolue de nos textes nationaux
et de nos engagements internationaux qui assurent le droit à tout enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et de préserver ses relations familiales. En janvier 2019, la France promet un retour imminent à Nassim et à sa famille. Des vols ont été programmés pour le rapatriement d'au moins 120 personnes, dont la majorité sont des enfants. Pourtant, ces avions ne décolleront jamais. Le gouvernement change d'avis. À quel point a-t-il pris appui sur ce sondage aux questions absurdes et cruelles ? Je cite. « 1. Le gouvernement français a-t-il raison ou tort de laisser l'Irak juger ses ressortissants, soupçonnés d'être des combattants de Daesh, même s'ils sont condamnés à mort ? 2. Êtes-vous très inquiet, assez inquiet, assez peu inquiet, ou pas du tout inquiet à propos des retours de djihadistes français ? 3. À propos des enfants de djihadistes français emmenés en Syrie et en Irak par leurs parents ou nés sur place, souhaitez-vous plutôt que la France laisse la Syrie s'en occuper ou qu'elle fasse le maximum pour les rapatrier ? 2. Depuis mars 2019, 35 enfants seulement ont été rapatriés par les autorités françaises. Des enfants choisis en fonction de la politique dite du « cas par cas ». Il fallait rendre légitime ce changement brutal de position, tant d'un point de vue juridique que sécuritaire. Le droit permet à l'État français de prendre en charge les enfants dont les parents sont défaillants. La sécurité commande de ne pas rapatrier sur notre territoire les individus partis rejoindre Daesh. Désormais, seuls les orphelins ou les enfants dont les mères acceptent de les abandonner ont une chance de rentrer sur le sol français. Nassim n'est pas rentré. Est-ce là l'intérêt supérieur de cet enfant ? Le cloîtrer dans un camp où règne saleté et violence, le séparer de sa famille, l'empêcher de rentrer chez lui, c'est prendre le risque de laisser cet enfant grandir dans ce climat de haine envers son pays de naissance, à errer dans les allées de ce camp, sans école, livré à lui-même et à tous les endoctrinements, l'abandonner sans aucun enseignement pour lui apporter de la contradiction face à l'idéologie persistante de l'État islamique. Lui renier encore un de ses droits fondamentaux, le droit de chaque enfant à l'éducation. La France affirme ne pas être responsable des violations des droits élémentaires que subissent ces jeunes ressortissants. Elle prétend que seule la Syrie serait à l'origine de ces conditions de détention indignes, sans aucune intervention extérieure possible. La France persiste à instaurer une politique de rapatriement discriminatoire pour choisir lequel de ses enfants innocents aura le privilège de pouvoir rentrer en sécurité. Nos pays voisins infléchissent leur position face à un impératif de sûreté. Le danger de faire de ces enfants innocents les djihadistes de demain est inévitable sans prise en charge par les services de protection de l'enfance. « 199 autres noms portent la même histoire que Nassim. 199 destins brisés dont nous sommes tous responsables. Faire comme s'ils n'existaient pas, ne rien faire, oublier leur naissance en France de parents français, laisser leur sort entre les mains d'un pays en ruine, les punir. » Mais les punir de quoi ? D'un délit
ou d'un crime dont seuls leurs parents sont coupables. La France, grand pays des droits de l'homme, préfère punir ses propres enfants d'actes dont ils ne sont aucunement responsables et renie ainsi son humanité. Il s'appelle Nassim. 11 ans aujourd'hui, enfant d'une guerre qu'il n'a jamais choisi d'embrasser. Victime reniée du terrorisme, enfant abandonné par la France. Et vous ? Êtes-vous très inquiet ? Assez inquiet ? Assez peu inquiet ? Ou pas du tout inquiet de l'abandon de ses enfants dans ces Guantanamo français ?